Salut, et aujourd'hui juste une petite vidéo pour te parler d'une réflexion que j'ai eue hier matin. Hier matin, je ne sais pas si tu sais, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby, tu sais. Il y a l'équipe de France qui jouait hier, donc ils ont gagné de justesse, tu vois. Et je sais pas, ça m'a procuré une émotion un peu plus forte que d'habitude. Je sais pas, j'étais vraiment content et ça m'a fait même un petit truc, tu vois. Du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Et qui est très important finalement pour toi, pour moi, c'est finalement dans la vie, qu'est-ce qui nous procure beaucoup d'émotions, tu vois? Des émotions fortes. Qu'est-ce qui nous procure des émotions fortes? Et là, bah, en l'occurrence, c'était la victoire des matchs, mais c'est peut-être plus que ça, tu vois? C'est que, en fait, c'est quelque chose, c'est pas moi qui me suis préparé, mais c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment, le début de la Coupe du Monde de rugby. Moi, j'aime bien le rugby, tu vois? Je suis pas passionné, mais ça me plaît. Et c'est quelque chose que j'attends depuis un moment. J'avais même mis le rappel sur mon téléphone pour pas rater le match, tout ça. J'ai vu une équipe de France qui s'était préparée pour cette compétition, pour ce match en particulier, et qui a réussi. Et qui a réussi donc à atteindre son objectif. C'est pas son objectif. Peut-être que son objectif, je sais pas, j'ai pas entendu les commentaires, mais de l'entraîneur, quoi, c'est peut-être de gagner la Coupe du Monde, et sûrement que hein, si tu t'inscris à une compétition, la plupart du temps c'est pour gagner. Mais en tout cas, elle a donc réussi une des étapes pour atteindre cet objectif. Et c'est vraiment, ça m'a fait forte impression et ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et peut-être qu'inconsciemment, ça m'a rappelé ce que ici je prône tous les jours, tu vois, pour toi te convaincre que chaque étape est très importante et chaque étape, tu dois la ressentir au plus profond de toi pour que ça te donne des émotions. Qu'est-ce qui, toi, te procure le plus d'émotions, tu vois? Vraiment des émotions fortes avec lesquelles tu pourrais te servir, pardon, tu pourrais te servir pour réussir à avoir du succès dans quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Dans la réussite d'un projet, dans la rencontre d'une personne importante pour toi dans la vie, dans le fait de se créer un cercle social, tu vois, avec des amis intimes. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et qu'est-ce que tu pourrais puiser comme émotion qui puisse t'aider à réussir tout simplement? Voilà. Hier, voilà, juste, je me suis posé cette petite question. Et moi, ben, le fait est que, voilà, si je suis ici, c'est quelque part, c'est, voilà, ça m'a fait penser hier, pareil, qu'on puisse tous les deux, tu vois, créer une équipe. Une équipe qui s'entraîne pour réussir à atteindre certains buts, par exemple, que toi, tu t'es fixé. Et ici, tu vois, moi, je m'engage avec toi à essayer que tous les deux, parce que moi aussi, j'ai des buts dans la vie, ici, j'essaie de les atteindre tous les jours. Mais voilà, tu vois, c'est de créer, essayer de créer ces mêmes émotions-là pour nous pousser à s'engager dans l'action nécessaire qui va pouvoir t'aider à atteindre tes buts, à atteindre tes rêves, à dompter ta timidité, tu vois. Et ici, si peut-être que si on est un, si on est deux, si on est plusieurs, tu vois, à s'entraider comme ça, on pourra peut-être plus facilement réussir. C'est vraiment cette valeur hier que j'ai ressentie là, de l'entraide, de la solidarité, tu vois. C'est ce qui me procure le plus d'émotions. Je ne sais pas quelles sont tes émotions, quels sont les moments qui te procurent le plus d'émotions, mais hier, moi, j'ai pensé à ça, tu vois. J'ai pensé que vraiment la solidarité, essayer de s'aider les uns et les autres, c'était quelque chose d'important pour moi. Et ici, du coup, c'est un peu ma mission, tu vois, c'est de t'aider. Moi, j'ai essayé, tu vois, quelques-uns m'ont aidé, tu vois, grâce à des livres, grâce à des conférences que j'ai suivies, grâce à quelques actions que j'ai cherchées à droite à gauche, que j'ai trouvées à droite à gauche. Tu vois, je commence à réussir à dompter mes peurs, à dompter ma timidité, à avancer vers mes buts, vers mes envies, tu vois, les plus profondes que j'ai au fond de moi, vraiment. Cette envie-là, par exemple, que j'ai en ce moment d'entreprendre, de réussir à créer quelque chose, tu vois, de fort à moi qui puisse être une aventure, que ma vie devienne une aventure, quoi, tu vois, grâce à la création de mon entreprise ici. J'espère que ma vie va devenir une aventure, tu vois. Et ben écoute, j'essaie de te mettre tous les jours ici dans la confidence, et voilà. Et pour ça, je veux ici t'aider.
tous les jours le plus que je peux. Si tu te sens des fois pas bien, si tu n'as pas toutes les réponses, ici, moi, je m'engage, en tout cas, à essayer de chercher le mieux que je peux les réponses pour toi, pour te les donner, et qu'ensemble, ensemble, on parte dans cette aventure, et ensemble, on arrive à progresser, même petit, mais toujours progresser, progresser chaque jour compte, et chaque jour, tu dois bâtir vraiment la vie que tu veux, tu dois plus être le spectateur de cette vie. Il faut vraiment que tu arrives à rallumer tes étoiles et pour enfin avancer, pour enfin dompter ta timidité, pour enfin aller vraiment où tu mérites d'aller. Nous, on se retrouve demain. Tu sais que pour vraiment passer à l'action et pour rien rater de ce que je vais te proposer dans pas longtemps, j'en parle tous les jours, mais là, ça se précise de plus en plus. Je suis en train de vraiment peaufiner mon projet. Donc, dans pas longtemps, je vais proposer quelque chose à pas beaucoup de personnes, tu vois, parce que ça ne pourra pas marcher s'il y a beaucoup trop de personnes. Donc, pour ne rien rater, ça se passe en dessous dans mes contacts privés. Tu t'inscris, tu mets ton adresse mail et tu seras contacté pardon, en priorité de savoir tous mes futurs projets, tous mes contenus que je poste à droite, à gauche. Au moins, tu rates rien, ça se passe en dessous. Sinon, tu sais que tu peux rester abonné ici et liker ma page si cette vidéo t'a plu. Je te dis à demain.